pour côté cercle gauche. Tir passe et voilà le but. Dagenais fait l'évier. Et les remparts créent l'égalité. C'est 1-1. Dagenais l'a juste redirigé. Cette passe. Vigneault. À de l'espace. Vers le filet. Remise devant le but. Voilà le but. Jaden Rosso qui marque. Et c'est 2-1 les remparts. Alors Alexis Bock lui revient au jeu. Porté par l'éthique. C'est Simard installé à la pointe. Simard passe à la route. Près du filet, tenté de rejoindre la vigne. C'est bien joué de la part de Vigneault qui vient couper la passe. Pour Vigneault, ça mène. Attention, Vigneault, le temps de passer à la défensive. Tire, voilà le but. Benjamin Vigneault qui marque contre son ancienne équipe en désavantage numérique. Vigneault qui soulève une rondelle partie supérieure du côté du bloqueur. Deg s'était compromis avec son bâton en harponnant. Filet utilisera rampe pour remettre à la pointe. Attention, Gagnon qui remet derrière. Deux contre le gardien. Devant, tir, voilà le but. Qu'est-ce que Gagnon a fait? Et ça a provoqué un 2 qui a circulé à la rampe, mais il n'y avait personne pour répondre. On a apporté des changements chez les remparts. Tir, voilà le but. C'est 5-1. Qui est renvoyé de toute façon vive là, vers Delisle, mais Loisel la reprend. Une belle fin de sa défaite d'Aguilar. 1m20, tire et voilà le but. Plouf qui marque et c'est 6-1. Superbe incursion. Toute une feinte. Aguilar s'en allait mettre en échec Loisel, mais tir de revers qui a raté la cible. Gendron, contre remise interceptée, remise dans l'enclave, tir et voilà le but, c'est 7-1. Ouf, déconfiture. Deuxième période. Il y a le but marqué, mais il y a toutes les chances qu'on a eues à la côté. En entrée de territoire, passe à Vallon. Vallon derrière lui, c'est bien fait, le but à son tir, voilà le but. Et c'est Xavier Lebel qui fait 8-1. C'est un superbe lancé de Xavier Lebel, là. Mais Vigneault vient reprendre. 30 secondes avant la fin de la première pénalité. Vigneault s'avance, son lancé. Voilà le but. Un deuxième but pour Benjamin Vigneault. 9-1 les remparts.